un petit blanc et un petit noir n'ont pas les mêmes égalités des chances. De quoi? Mais c'est arrêtez ça. Avec mais ça. Bien sûr que mais si. C'est pas vrai. Mais écoutez, mais c'est enfin, pas vrai. Mais, écoutez, je suis bien placé. À l'école, ils n'ont pas la même égalité non, des chances. Pas la même égalité. C'est socialement, ils n'ont pas la même égalité des chances. Pourquoi socialement? Parce que pourquoi socialement? Attendez, c'est intéressant ça. Pourquoi socialement? Parce que les petits noirs, ils sont forcément défavorisés. Non, mais je sais que c'est du racisme de dire ça. Non, c'est tout simplement. Bah oui, excusez-moi. Je suis raciste. Mais non, mais excusez-moi, mais vous rendez l'idée que vous véhiculez, c'est ça? Non, c'est pas parce qu'ils sont noirs, ils sont forcément défavorisés. Non. Là, je tire directement. Ils ont moins de chance et le. Mais pourquoi? Pourquoi? Et pourquoi? Je vais vous expliquer. Ouais. Pourquoi? Bah oui, allez-y, ça m'intéresse. L'accès. Tout simplement. Je vais vous prendre un exemple très simple. Pourquoi? Moi, je vis dans le 93. Mon fils, par exemple, est dans une école dans le 93. Pourquoi? Dans le 93, il se trouve qu'il a eu l'occasion d'apprendre des fables de La Fontaine en poésie. Pourquoi? Sauf que la fable de La Fontaine, il faut l'apprendre. Pourquoi? C'est trop long! Quand vous êtes noir, que vos parents, noir ou pas noir, mais peu importe la couleur... Non, c'est moi qui suis abruti. Vous comprenez quelque chose, vous? Non. Que vos parents ne parlent pas bien français, que... Pourquoi, quand vous êtes noir, vos parents ne parlent pas bien français? Mais vous vous rendez compte de ce que vous véhiculez? Mais lui, on comprend ni ce qu'il dit, ni ce qu'il fait. C'est rare, hein. Vous imaginez, si c'est Yoann Gillet, député du RN, qui dirait « Quand vous êtes noir et que vos parents ne parlent pas bien français », vous vous rendez compte le scandale que ce serait? Je suis désolé de vous le dire, Mathias Leboeuf. Sortez, il y a des blancs dont les parents ne parlent pas bien français aussi. Pareil, eh ben oui, alors pourquoi vous parlez d'un noir? Vous savez qu'on parle le français, là. Bah oui, Jean-Didier Berthaud. On est d'accord là-dessus. Non, mais vous êtes... Non, je crois qu'ils sont juste cons.